Salut à tous et à tous, c'est Megas Amérique qui parle en direction d'une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, nous nous attendons encore à ma playlist que vous avez tant entendu. Je vous prie d'accueillir le mois d'août. Alors, avant de commencer le jeu, quelques petites choses donc à vous dire. Donc, le mois d'août, qu'est-ce que c'est? C'est en fait chaque semaine, je vais me filmer devant un jeu que je ne connais point. Enfin, je le connais, mais bon, c'est pour ma vie. Ce sera donc un jeu. Parfois, ce sera du Pokémon, parfois, ce sera d'autres jeux. Mais ce que vous attendez plus, c'est d'autres jeux. Du plus petit truc au plus grand, c'est-à-dire ça peut être un jeu vidéo en anglais comme celui-ci, jusqu'à un jeu vidéo PC, un truc vraiment très 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 cool. Voilà, je ne dis pas plus, donc j'ai décidé de commencer par la version Brave, parce que j'ai vu le let's play donc il a fait saison 2, moi personnellement je vais juste faire un petit bout d'épisode pour vous donner l'envie de jouer, d'y jouer, et si vous voulez voir ce jeu donc sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, le truc est réglé, donc j'ai décidé de commencer par ça, parce que ce jeu retrace en effet la version, la saison 1, la saison 2, le film 1 et le film 2 donc de l'anime. Bien sûr on ne fera pas tout, c'est juste le début, enfin entre guillemets l'épisode. Le jeu n'est pas terminé en fait, il reste quelques épisodes de la saison 2 à mettre sur ce jeu. Là on s'est arrêté en fait de l'épisode 1 jusqu'au film 2, techniquement là où Dracaufeu lui obéit entre guillemets. Voilà, donc tu es un garçon qui vient donc du cours Palette. Maintenant que tu as 10 ans, tu peux avoir donc ta licence de Pokémon entre guillemets. Donc 10 ans peut ça peut donc être tu es donc un dresseur de débutant, et tu peux avoir donc les Pokémon de départ du professeur Shen, le célèbre professeur de ta ville. C'est juste le commencement donc d'une superbe aventure qui t'arrive. Donc ton voyage est destiné donc à plusieurs choses, donc non-stop action, donc tout le temps de l'action, des millions de off-low, c'est-à-dire tu vas rigoler à chaque fois, Earth Boarding Peril, donc des dangers imminents, et un endless excitement, c'est-à-dire donc de l'excitation propre en fait, tu vas être excité de continuer cette aventure en fait. Tu rencontreras donc des amis fantastiques, des ennemis diaboliques, et tu rencontreras donc des créatures qui appartiennent donc à une imagination sauvage. Je sais pas du tout ce que ça veut dire d'autre. Comme l'histoire unfold, aucune idée de ce que ça veut dire. Tu débloqueras donc le mystère et la magie donc du monde de Pokémon. Oui, mais c'est juste pour nous dire ce qui va se passer en fait. Petit résumé. Alors, je vous propose donc de faire un épisode d'environ 20-25 minutes à chaque fois. J'ai oublié de régler les options. Non, on le fera après. Et donc, hello. Donc, bonjour, ravi de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Shen. Tout le monde affectionne donc et me réfère en tant que. Non, tout le monde qui me connaît donc en tant que professeur Pokémon. Ce monde est peuplé donc de Pokémon et de créatures appelées Pokémon. Bon, comme toujours, c'est la même discussion, voilà. Alors, j'ai entendu que tu voulais capturer et entraîner des Pokémon. Commençons par ton nom, comment est-il? Donc on va se référer à l'anime étant donné que c'est la version anglaise. On va l'appeler H, pas Sacha. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, donc H ça signifie donc cendre en anglais. Quant à Régis, donc Gary en anglais, je sais pas du tout ce que ça veut dire.
ça fait longtemps que j'avais plus vu donc la saison 1. Donc ne m'en veuillez pas si j'oublie des choses. Donc on est déjà dans notre chambre, ce qui est globalement cool. Donc apparemment c'est la télé. C'est donc un live Pokémon qui se passe dans la télé, donc Ectoplasma vs Nidorino. Oh désolé, il est temps d'y aller. Déjà on va régler les options en fast et type, ouais, comme les premières versions. Voilà. C'est ton pyjama, est-ce que tu voudrais te changer avec ça? Ok. Déjà est-ce qu'il y a une potion? Withdraw item. Oui, c'est bon. Et on peut s'endormir. Donc commence à s'endormir et rêve de son premier Pokémon. Donc en élevant Bulbul. Donc élever Bulbizarre, ça serait vraiment simple. Il serait parfait pour les débutants. Et ensuite il y a Carapuce. Choisis-le et tu ne perdras pas. Oh attendez, il y a Salamèche. Tout le monde sait que c'est le meilleur. Il n'a pas tout à fait tort. Donc Sacha se réveille donc d'un repos soigneux, révélateur, entre guillemets, réparateur. Voilà, je cherchais le nom. Donc normalement il est en retard. Oh Sacha, tu t'es réveillé en retard, n'est-ce pas? Tu dois être très inquiet, le professeur Chen à la porte voisine t'attend. Moi j'ai pas les chaussures de sport, ce qui est globalement chiant. Oh, ils ont changé pour palette, c'est vrai. Dun, dun, dun. Alors, vite, vite, il faut aller au laboratoire du professeur Chen. Dun, dun. Ah, regarde où tu y vas. Ah, mais tu dois être Sacha. Mieux vaut tard que jamais. Bien, Sacha, tu es prêt donc à perdre. Ne te mets pas sur ma route dès le début. Si tu as donc un Pokémon ou tu n'en as pas. Moi j'ai pris le meilleur. Ça paye donc d'avoir un grand-père donc dans les affaires de Pokémon. Moi, Régis Chen, je serai donc je prendrai le meilleur chemin donc pour être le dresseur Pokémon numéro 1. On se voit plus tard, Sacha Boy, enfin le minable plutôt. Donc je sais où se trouve donc le professeur Chen, il faut monter et il est là. Donc je sais plus par qui comment ça fait. Vous allez voir. Donc Sacha, donc tu t'es décidé de te montrer après ça. Tu veux un Pokémon pour commencer donc ton voyage Pokémon. Oh mais qu'est-ce que tu as dit? Bon, très bien, comme tu veux. Donc je sais pas du tout par qui il commence à prendre les Pokéballs. Donc par quel Pokémon il va ouvrir la Pokéball. Je crois qu'il commence par Bulbizarre ou par Carapuce. Salamèche, c'est par la fin. C'est je crois par ça. Bien, ça mèche. Bon, on va faire comme ça en fait. J'ai choisi depuis un bon moment et ça m'a pris donc un bon moment et j'ai finalement décidé de choisir Carapuce. C'est ce Pokémon que tu veux. Oh non, la Pokéball de Carapuce a été choisie par quelqu'un qui était à temps. J'espère que je ne me suis pas endormi pour rien. Mais j'ai choisi ce Pokémon, Bulbizarre. C'est ce Pokémon que tu veux. Oh non, celui-là a été pris par un garçon qui lui aussi n'était pas en retard. Bien, ce n'est pas un problème parce que mon Pokémon que je vais avoir sera Salamèche. C'est ce Pokémon que tu veux. Celui-là aussi, donc c'est comme donc non, c'est une expression. C'est comme un oiseau qui attrape un ver de terre ou dans ce cas un Pokémon. Ok, d'accord. Bien, tous les starters de Pokémon, donc tous les Pokémon. Débutants ont été pris et ont été je les ai donnés donc à des dresseurs qui ont été ici pas en retard en fait, mais il en reste un. Est-ce que tu es sûr de le prendre? Parce que je te préviens que ça va être un problème, parce que je te préviens qu'il y a un problème avec le dernier. Son nom est Pikachu, donc tu veux essayer d'entraîner ce type électrique? Évidemment. Le fameux Pikachu de Sacha. Non, ça va. Il est aussi connu comme un Pokémon électrique. Il est assez timide, mais il peut parfois donc électrifier. Mais parfois, il a donc une personnalité électrifiante. Choquant, n'est-ce pas? Oh, maintenant, prends ceci, c'est ton Pokédex et tes Pokéballs. Normalement, là, ils se font électrocuter. Le Pokédex est donc enregistre automatiquement donc toutes les données sur les Pokémon que tu vois et captures. C'est un
c'est tout, Ellie high-tech. Oui, tu dois les capturer. Bon, bah, ok. Oui, ouais, ça c'est toujours les trucs pour débutants. Allez, c'est parti. On a enfin notre premier Pokémon. Attendez, je vais voir la nature. Il est bashful, c'est pas... Non, bashful, c'est... Je sais plus. Je crois que ça fait rien. Voilà, de toute façon, on s'en fout un peu des natures. C'est moi qui vous le dis. Ah, notre maman. Sacha, je suis ravi que... je suis ravi que je t'ai capturé, donc. Je suis fier de toi. Tu as finalement réalisé ton rêve. Tu vas commencer ton voyage en tant que dresseur. Tu vas me manquer beaucoup. Je t'ai amené beaucoup de choses, donc beaucoup d'objets. Entre parties, donc, tes chaussures de sport. Et puis, oui. Et ça, c'est une carte, et ainsi, une fame checker. Ah, c'est ton Pokémon? Je pensais que tous les Pokémon doivent rester dans leur Pokéball. Pourquoi pas celui-là? C'est un petit peu bizarre. Oh bien, bonne chance, Sacha, et n'oublie pas de te changer de sous-vêtements chaque jour. Sacha, je sais ce que... je sais où tu passes. Ouais, glisse. Donc, voilà. Ok. Donc, on peut continuer, en fait. Donc, il n'y a plus rien qui nous retient, donc, à Pourpalette, normalement. Et on doit aller par là. À la route. Un recul sauvage apparaît. Go Pikachu, hein? Pikachu donc court donc dans cet arbre et refuse de combattre. Le recul sauvage s'enfuit. Pikachu. Ah, je sais plus le nom. Ah oui, un piaf avec sauvage apparaît et attaque Pikachu. Ok, d'accord. Premier combat de cette remarque. Bien fait le dos, je dois dire. J'espère qu'il n'est pas femelle. Thunder Shock. Ah, il m'a tourné de l'autre. Oh non, non, ça va pas partir comme ça. Je pense qu'il va attaquer. Non, non. J'ai cru que ça. Le piaf avec sauvage et furieux que vous l'avez battu. Il appelle d'autres piaf avec pour l'aider. Ok. Donc Sacha attrape Pikachu et s'apprête à courir en fait. Ah oui, là je m'en souviens. C'est une longue route, mon dieu, il n'y a que des herbes et il n'y a que des piaf avec. Vite, vite. Ils vont nous rattraper, Pikachu. Mais là où il est. Le courant est très faible. Le courant est bon pour nager. Vous voulez pour nager. Non, le courant est très faible. Vous préférez naviguer. Ah, t'es quelqu'un qu'on connaît. Et petit, j'essayais donc de pêcher. Oh, c'est un Pokémon. Est-il blessé? Tu as besoin donc d'amener ton Pikachu dans un centre Pokémon tout de suite. C'est un hôpital pour les Pokémon. Donc celui le plus proche est à Châtiel. Et attends une minute, petit, c'est mon vélo. Ah, c'est la musique du centre de la Ligue Pokémon. Et bien avec Sauvage, ne vous laisserons pas passer. Sacha envoie Pikachu hors de sa Pokéball pour le protéger. Non, dans sa Pokéball pour le protéger. Piaf avec, vous ne savez pas qui je suis Sacha du Bourg Palette. Ça c'est le même dialogue que dans l'anime. Je suis destiné donc à être le numéro 1 des maîtres Pokémon. Je ne vais pas me faire battre par vous en fait. Je vais capturer et battre tout le monde, vous m'entendez? Venez, attrapez-moi, entre guillemets. Pikachu apparaît de sa Pokéball avec son pouvoir électrifiant il envoie donc un éclair, disons-le, un éclair de tonnerre sur Pikachu, donc utilise Thunder Shock et attaque les piaf avec. Techniquement, il utilise il utilise Fatal Foudre, il n'utilise pas l'éclair. Ok, notre... Donc là, je parie qu'il est faible. Même pas. Bon. Ils auraient pu le laisser faible, disons un PV. Comme dans l'anime. Donc voilà,
donc Viridian City. Attention, citoyens de Jadiel, attention, nous avons donc enregistré des voleurs de Pokémon près d'ici. Soyez donc prudents et faites attention donc aux mystérieux étrangers. Et toi, où est-ce que tu as eu ce Pokémon? Ah, mais c'est un Pokémon, je suis désolé, mais je dois faire attention donc pour les voleurs. Ton Pokémon est vraiment dans un état un peu pathétique. Ici, laisse-moi te montrer où se trouve le centre Pokémon. Elle a pas dépassé. Ah non, ça c'était le shop, ça. Ça c'est un centre Pokémon, tu peux soigner tes Pokémon blessés ici, bonne chance. Alors attendez, ah je te tiens, je savais que je te trouverais ici. Regarde ce que tu as fait à mon vélo, il a été détruit par la foudre quand tu l'as volé. Maintenant tu vas payer un jour, petit. Ouais c'est ça. De toute façon il a eu... Et on attend toujours qu'il lui paye, parce que ça n'a pas l'air de le préoccuper. Puis soigne un... Ok. Ils ont laissé les trucs tels qu'ils étaient. Ok. Donc normalement, là, il va appeler. Vous devrez poser un appel donc à votre mère. Bonjour, donc, à la résidence Ketchum. Oh chérie, est-ce que tout va bien? Où es-tu, Sacha? Ah, tu es déjà donc à Jadiel. Il a fallu à ton père 4 jours pour s'y rendre quand il a commencé donc son entraînement de Pokémon. Il doit être si fier de toi. Il est aveugle maintenant. C'est vrai qu'on n'entend plus parler de lui. Maintenant, donne-toi à fond, Sacha. Tu as toute ma confiance. Est-ce que tu comprends? Et est-ce que tu penses donc à changer tes sous-vêtements chaque jour? Elle est chiante avec sa mère. Bonne nuit, fils. Je t'aime. Dring, 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 un appel. Dring, 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 un appel. Oh, le téléphone est en train de sonner. Voulez-vous donc répondre à l'appel? Oui. Hello, Sacha. Donc, j'ai parlé juste à ta mère et elle m'a dit que tu étais donc au centre Pokémon de la ville de Jadiel. Est-ce que c'est correct? Tu dois être surpris maintenant que tu es allé. Aucune idée de ce que ça veut dire. Je l'admets, quand tu m'as quitté, j'avais des doutes. Comment tu pourrais donc élever ton Pikachu? Garde, fais toujours un bon travail. On se voit plus tard, Sacha. Donc normalement, si on suit l'animé, il y a deux personnes, enfin, trois personnes qui vont arriver tout de suite. Voilà. Ne sois pas effrayé, petit garçon. Permets-nous de nous présenter afin de protéger le monde de la dévastation. Si vous voulez bien éteindre la musique, merci dans la rue. Allez. Désolé si vous attendez la musique. C'est la rue qui fait ça. Afin d'unir tous les peuples à notre nation. Afin de dénoncer l'amour et la vérité. Afin d'éteindre notre pouvoir jusqu'à la Voie Lactée. Jesse, James, la Team Rocket. Plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Nous sommes ici pour voler le centre Pokémon. Essaye de nous arrêter. Très bien, pas de problème. Et ils ont bien fait. Alors, un abo. Donc je vous propose tout de suite. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ces voleurs? Ah, mais c'est ton premier combat, laisse-moi t'aider. Oui. Ok, on va un petit peu avancer parce que c'est vraiment un petit combat. Ok, allez, je vous lance pas. Si ça veut bien se remettre à son état actuel. Un autre Thunder Shock. Moi, je pense que ce abo de Thunder Shock. Ah, ben, presque. Yes, niveau 6. Il apprend donc Mimique. Là, il envoie donc James Gofeng Thunder Shock. Gaz toxique. Comment ça va? Ah, on n'a pas vu l'animation quand ils sont empoisonnés les Pokémon. C'est bizarre tout ça. Il fait mal. Heureusement qu'il n'a pas fait de critique. Vous voyez, on n'a pas vu. Peut-être un petit bug de version. Et voilà. Deux coups de cuillère. Deux bombes rousses. Niveau 7.
Team Rocket Top Super avec un tel minable, un petit morveux en fait. Oh, tu l'as fait, si tu as gagné, donc tu remportes donc de l'argent et ton Pokémon devient plus puissant. Oh, la Team Rocket, on n'a pas encore fini. Maintenant, nous allons voler le centre Pokémon. Pikachu donc apparaît de sa Pokéball. Ah, mais ce Pikachu ne peut pas se stopper. Ce misérable petit Pikachu ne peut pas nous stopper. Pikachu utilise ton air. Quoi? Non, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Vite fait, réglé. Voilà, donc on va le soigner et je pense qu'on va s'arrêter là donc pour le mois d'an numéro 1, c'est-à-dire découverte de la version Pokémon Ash Gray. Donc n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires si vous voulez une série sur ça, je m'arrangerai pour faire un bon petit live à route. Donc voilà, à partir donc de la semaine prochaine, il y aura le mois d'an numéro 2 et cette fois-ci nous allons nous attaquer à une Romac espagnole. Après celui-là, bien sûr, ça va changer, il n'y aura pas que du Pokémon. Allez, je vous propose de sauvegarder et donc voter dans les commentaires si vous voulez que je fasse une série là-dessus. Voilà, comme ça sera un nouveau jeu et j'espère qu'il sera cool, même si pas mal de personnes l'ont fait. Moi, je vais rajouter une petite dose d'humour et comparer donc cette version, disons-le, et correspond bien donc à l'anime. Voilà. Si vous acceptez bien sûr que je fasse un let's play là-dessus. Voilà. Vous avez tout ça entre les mains. N'hésitez pas donc à me dire si vous le voulez. N'hésitez pas aussi à lâcher des pouces bleus si vous avez aimé l'épisode. Un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé. Dites-moi pourquoi.